Voilà, les matins de RSI, c'est la deuxième heure après les informations. En bref, c'est l'actualité des arts et de la culture avec deux premiers invités pour parler du mouvement de la Renaissance africaine avec ces événements qui s'y déroulent, des programmes culturels comme les Géantes Invisibles. C'est un événement en hommage à la femme. C'est prévu le samedi 1er août 2015 au monument de la Renaissance africaine. Un programme artistique qui intègre aussi une exposition de peinture dénommée Dimension féminine. Et pour en parler, nous sommes dans ce studio avec Ilo Guiaber, directrice des éditions Diaspora Noire et de la galerie Nubi Art, qui est à l'origine de cette initiative, et Racine Senghor, administrateur du monument de la Renaissance africaine. Racine Senghor, bonjour. Bonjour à Lune. Ça fait longtemps, Racine. Mais ça fait bien longtemps. Je suis très très content de revenir dans cette maison. Oui, bien sûr. Alors, Ilo Guiaber, bonjour. Ça va très bien. Non, ça fait pas très longtemps. Non, ça fait quelques jours. D'accord. Alors, Racine, en tant qu'administrateur du monument de la Renaissance africaine, à un moment donné, tout le monde disait que le monument n'est pas envahi. Mais j'ai l'impression que depuis quelques mois, quelques temps en tout cas, les gens convergent vers le mouvement de la Renaissance africaine. Oui, heureusement. Ouais. C'est exact, à l'une. Le monument est en train de se positionner, entre guillemets, comme un lieu de rencontre, un lieu de convergence pour tout ce qui concerne la culture, pour tous ceux qui ont envie de montrer le côté positif de notre continent, de l'Afrique, tous ceux qui ont envie de découvrir à la fois notre histoire et de réfléchir sur notre avenir, tous ceux qui ont conscience que quelque part ce monument est une propriété entre guillemets de tous, et qu'il est là imposant, il est là pour symboliser une certaine idée de l'Afrique, pour symboliser pas seulement le Sénégal mais l'Afrique et les Noirs de la diaspora. Et tout cela donc fait que de plus en plus les jeunes, les femmes, les moins jeunes, les intellectuels, les universitaires, toutes les corporations trouvent leur place effectivement dans ce mouvement. D'accord. Le mouvement a son propre programme, non? Le mouvement organise, je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Le mouvement a son programme, bien entendu, qui est très diversifié. Ça va dans tous les domaines de la création, de la réflexion aussi. Nous avons organisé récemment deux grands colloques avec l'Université de Dakar, avec l'IFAN, avec ULO et son équipe. Nous avons réfléchi sur... Très bien médiatisé d'ailleurs. Très très bien médiatisé. Nous avons eu des grands intellectuels. ULO est venu avec les Boris Diop, avec les Sergei, avec bien des gens qui sont venus parler de l'Afrique et de la refondation du panafricanisme. Nous avons eu une très belle rencontre avec Abdouaziz Kébé, avec un professeur de l'université de Saint-Louis, avec un chercheur d'Inda, plus exactement, pour parler de l'islam et du vivre ensemble, très proche d'ailleurs du colloque qui se tient actuellement au Sénégal sur l'islam et la culture de la paix. Nous avons hier organisé une très belle rencontre avec des élèves qui ont pu être primés, parce que nous sommes également le lieu de la reconnaissance, hein, comme dit ULO souvent, le lieu où se font les reconnaissances. Ici, nous avons voulu également, disons, donner une mention spéciale à ceux qui sont excellents, cultiver l'excellence. Ça, c'est des aspects, mais en dehors de ça, nous avons des manifestations qui sont organisées sur le plan de la création artistique, littéraire, etc. Nous avons un focus sur les jeunes, les femmes. Nous avons pu réunir il y a quelques mois 4000 élèves des groupes d'études et d'enseignement de la population avec le GEP, des lycées et collèges du Sénégal, pour poser les problèmes relatifs aux préoccupations des jeunes, des enfants, et qui voulaient s'adresser au monde entier pour le dire un peu comment ils voyaient l'avenir de l'Afrique. Donc il y a une série d'activités comme ça, mais nous accueillons beaucoup d'initiatives, et ça c'est l'aspect, je pense, qui nous semble le plus important, que tout le monde, toutes les catégories se rendent compte que le monument est un espace dans lequel ils peuvent s'exprimer, ils peuvent développer leurs activités de concert avec nous, mais nous y allons sans hésiter. Nous avons des contacts avec des étrangers. Un de mes agents est actuellement aux États-Unis pour nouer des partenariats
et développer des activités transfrontalières, des activités qui vont passer outre-Atlantique aussi, et amener à faire comprendre que le monument s'ouvre au monde. Il n'est pas seulement que sénégalais, il n'est pas seulement qu'africain, il s'ouvre au monde. Donc nous avons une série d'activités effectivement comme ça, et nous avons aussi un grand projet, celui des trophées du monument de la Renaissance africaine. C'est une idée de Madame Mousli Diakhaté, l'honorable députée Mousli Diakhaté, qui s'est investie entièrement pour que le monument de la Renaissance puisse refléter ce que l'Afrique a de plus positif. Et c'est l'idée des trophées de la Renaissance africaine que nous devions organiser au mois de juin, mais compte tenu des circonstances, nous avons dû décaler un peu. Nous sommes en train de voir avec l'honorable député Mousli Diakhaté et son équipe comment organiser cette grande manifestation d'ici la fin de l'année 2015 dans les meilleures conditions. Je rappelle que ces trophées de la Renaissance devraient primer un jeune écrivain. Un jeune écrivain, parce que les jeunes écrivains, il faut les encourager, c'est l'espoir. Ensuite, nous devrions également mettre l'accent sur deux aspects de notre culture qui ne sont pas très bien connus, disons, au-delà des frontières de notre pays. Il s'agit, pour nous qui vivons à Wakam et au milieu des Lebou, des danses traditionnelles Lebou comme le Ndorabine, que nous allons mettre en exergue. Mais c'est par ailleurs le Riti, qui est un instrument de musique spéciale, qu'on trouve un peu partout dans le monde, bien entendu, mais qui a une connotation bien spéciale au Sénégal, entre les Peuls, les Sérères, etc., les Wolofs, qui ont chacun leur spécificité en domaine du Riti. Nous allons aussi primer des acteurs, des artistes qui jouent cet instrument, c'est génial. D'accord. Légende invisible, cet événement avec Hulot Diabère, comment vous l'avez accueilli justement? Ben, je dois d'abord remercier Hulot, hein, qui est partenaire du monument de la Renaissance africaine et qui a toujours des idées, qui nous apporte toujours des idées novatrices. C'est la troisième fois, je crois, que nous allons organiser avec Hulot Diabère et son équipe. Et Légende invisible, c'est l'occasion de... Nous avons accueilli avec une grande satisfaction ce projet. Et nous voulons lui donner un éclat particulier. C'est pourquoi nous avons choisi de le faire le samedi. Le premier samedi du mois d'août. C'est très symbolique. Nous allons lui donner un cachet particulier parce qu'il s'agira de célébrer les femmes. Des géantes. Et parmi les géantes, il y en a malheureusement, pour être géantes, qui sont invisibles. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il s'agira de les rendre visibles et de les célébrer. Mais les célébrer à travers une manifestation artistique typique de chez nous, qui est donc le tam-tam, la danse, qui est l'expression la plus spontanée, mais la plus vraie, la plus authentique, que les poètes ont chanté d'ailleurs. Je me rappelle, Maria Maba, dans ses premiers écrits, avait chanté la femme qui danse, la jeune fille qui danse. Et Senghor, dans ses poèmes, définit également les peuples d'Afrique comme, on nous dit, les hommes de la mort, dit-il, nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. C'est le vers de Senghor. Et là, nous allons donc danser, hein, au rythme africain, au rythme international du tam-tam, mais authentiquement africain, et en profiter pour célébrer la femme. Mais en même temps, célébrer les artistes, parce qu'au-delà de la danse, il y a aussi la manifestation qui va se développer en forme picturale, en forme artistique, avec des arts visuels, la peinture, etc., qui va donc être une manière d'illustrer. Dans la manière de procéder de Hulot et de son équipe, j'apprécie bien cet aspect. Disons qu'il y a manière toujours d'intégrer dans leurs événements à la fois les arts scéniques et les arts visuels. Les arts de la scène, le théâtre, la musique, la danse, mais également les arts plastiques, qui sont une synthèse, d'une certaine manière, de toutes les formes artistiques. Parce que le rythme qui fait la danse est aussi caractéristique à la fois de la poésie et de la peinture et de la sculpture. Donc nous allons accueillir cet événement avec beaucoup de plaisir et nous nous investissons pour qu'ils connaissent un très très grand succès. Je dois dire, peut-être que c'est intéressant, que la veille de cet événement, l'Organisation de la Francophonie, l'OIF, accueille au monument 8 pays qui sont au Sénégal pour des artistes, des stylistes qui sont au Sénégal pour améliorer leurs compétences dans ce domaine. Et nous allons associer les participants à cette manifestation
aux géantes invisibles du lendemain, pour créer cette espèce de symbiose qui va permettre de prolonger ces activités et de donner la dimension internationale que nous voulons toujours garder pour le monde de la Renaissance. Oui, parce que cet atelier a des femmes, il y a des femmes. Oui. Cet atelier avec l'OEF et Pateo. Et avec Pateo et Tané. Justement, Tané Gagne. Oui, il y a des artistes qui viennent de huit pays. Oui, justement. Qui viennent avec des femmes. Oui, oui, justement. Femmes. Mais quand on parle des jeunes invisibles, qui concernent les femmes, les hommes ne sont pas exclus. Hein. Non, je ne pense pas. Les hommes ne sont pas exclus. Ils ne sont pas exclus. Ils peuvent venir honorer leur femme, leur mère, leur tante, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce concept, c'est vraiment quelqu'un qui trouve dans son entourage une femme qu'il juge être une géante, mais qui n'est pas visible, de la nominer. Et nous, avec certains critères, on regardera. C'est-à-dire, même vous, à Lyon, vous pouvez venir en disant, moi, je connais une femme magnifique, incroyable, qui se bat, qui est courageuse, qui fait des choses contre l'injustice ou qui fait des trucs extraordinaires. Donc, vous nous donnez son nom, vous nous dites pourquoi vous voulez la nominer et nous, on regarde. D'accord. Et si elle remplit les critères de tout horizon, de la société, voilà. De tout horizon. Okay. Et on va honorer deux femmes sénégalaises et une femme africaine chaque mois. Et voilà. Et je dois rendre hommage quand même à la co-organisatrice qui s'appelle Kumba Touré, qui est à l'origine en fait de l'idée. C'est pas vraiment moi qui ai eu l'idée. On en avait fait déjà une édition. Au Monument de la Renaissance, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y avait beaucoup de femmes féministes qui se retrouvaient ici à Dakar, donc venant du Kenya, etc. Et après cette édition, on s'est dit, on va le faire une fois par mois. Donc Kumba Touré, elle est responsable de l'ONG Ashoka Sahel, et elle est dans l'empathie, comme elle dit. Alors moi, je dois remercier vraiment Racine, parce que Racine, en fait, depuis qu'il est au Monument de la Renaissance, je l'embête tout le temps. je vais le voir tous les 5 minutes avec une idée. J'ai dit, bon, il faut qu'on fasse ci, il faut ceci. Et il me reçoit toujours avec vraiment beaucoup de chaleur, de gentillesse. Il écoute ce que je dis, il prend en compte des choses. Vraiment, je te remercie beaucoup, Racine, pour cette écoute que j'ai là-bas. Et d'ailleurs, même à un moment donné, on veut toujours, on n'en s'est pas exclu, que le Nubiart trouve sa place là-bas. D'accord. Pour l'instant, bon, on a des problèmes de contraintes qui sont indépendants de notre volonté. Mais pour moi, le Monument de la Renaissance, ça doit être un lieu, comme il disait tout à l'heure, où l'authenticité africaine doit s'exprimer. C'est-à-dire que là, pour moi, les sabars, les ritis, les trucs, c'est le lieu où ça doit s'exprimer. Aujourd'hui, ces trucs-là n'ont plus de place nulle part. Où est-ce que vous avez vu qu'on fasse des choses comme ça ici au Sénégal, à part dans des villages reculés? Moi, je ne vois pas, à part le Mbalax, on a laissé tomber beaucoup de choses. La dernière fois, au musée de la femme, on a sublimé la calebasse et on a eu toute une conférence là-dessus. J'étais très, très étonnée d'entendre beaucoup, beaucoup de choses sur la calebasse. Et malheureusement, on est en train de laisser tomber ces choses. Donc, le sabbat, dans le sens noble du terme, va avoir lieu tous les mois au Monument de la Renaissance. Et comme il dit, vraiment, c'est aussi la culture de la gratitude et de la reconnaissance qu'on veut développer au Monument de la Renaissance. C'est-à-dire que lui, il fait des cérémonies de remerciements, etc. Et nous, on se rajoute avec nos géantes invisibles. On veut vraiment développer cette culture de reconnaître les autres, de les remercier pour les choses qu'ils font. D'encourager. Alors, voilà. Vous allez rendre hommage à des dames, les encourager aussi, hommage et encouragement. Comment ça va se dérouler, le programme? Donne-nous une idée du programme, Hulot Guiabert. Alors, le programme, c'est que déjà, l'ambiance, je vous raconte l'ambiance déjà. Là, on va faire un lieu magnifique, juste sous le
sous la statue, avec une vue sur tout Dakar. D'accord. On va mettre des flambeaux, avec donc une ambiance un peu fanale, comme on faisait à Saint-Louis. Donc, pour donner aux auditeurs qui veulent venir une idée de comment ça va se passer, il va falloir monter les escaliers. Non, pas forcément. Pas forcément, d'accord. Okay. Ceux qui veulent faire du sport. Donc on est en bas. On est en bas. Ouais, non, mais c'est en haut, mais en fait, mais on peut passer par. Par la route. Par la route, d'accord. Avec les taxis, etc. Okay. On laissera monter les voitures, il n'y a pas de problème. D'accord, je vois. Et donc, ceux qui veulent faire du sport, ils peuvent, hein. Ouais, quand même, on ne va pas les empêcher. Et donc, une fois, donc cette ambiance avec les de fanal un peu. Avec des tableaux de Facello, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui fait des très grands tableaux sur la femme. J'avais fait une exposition sur lui au Dakar de 2014. Mmh. Je faisais partie du OFF. Et j'aime beaucoup ces tableaux. On les met en décoration et en exposition. Ensuite, il y a Ndeysek, qui est une tambour-major au féminin, donc c'est un Duc d'Airose au féminin, qui travaille déjà avec l'École des Sables de Germaine Akoni à Toubab Dialao, qui va venir chaque mois avec sa troupe de jeunes danseurs, et ils vont animer le sabar. Ensuite, nous avons un traiteur qui s'appelle Cayenne Traiteur, qui va nous faire le menu africain de la rue africaine, c'est-à-dire des brochettes Aoussa, du Dibi, des Kherutouba, des choses comme ça. C'est vraiment des choses qu'on mange chez nous en Afrique. Donc, on est dans l'authenticité tout le temps. Des aliments faits par des femmes ? Oui, tout des à fait. Des femmes aussi ? Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, vraiment, on est dans l'authenticité tout le temps. Et alors, après, on a donc deux femmes qu'on va honorer, des Sénégalaises qui seront là. On a une première Sénégalaise qui s'appelle Seynabou Ndiaye, qui est assez connue, un peu connue. Elle est interprète, traductrice. Elle a fait toute une carrière à l'UA, l'unité africaine, à Addis Abeba. Elle fait partie elle est présidente du réseau Femmes Solidarité, et beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est une promotrice aussi de la bonne gouvernance. On a une deuxième Sénégalaise qui, en fait, est une vraie gente invisible. Elle est invisible, mais elle fait des choses vraiment très, très belles. Elle est directrice d'un grand hôpital. Elle dirige l'hôpital de Guédiawaye qui s'appelle le Roi Baudouin. Et c'est une femme d'une rigueur, d'une abnégation, etc. Incroyable. Elle a déjà été à l'hôpital Fan, à l'hôpital Albert Royer, etc. Et on va la faire découvrir parce que la rigueur qu'elle a, etc. Et on a une femme burkinabé qui ne sera pas là, mais on a invité l'ambassadeur du Burkina à venir pour recevoir son trophée. C'est une femme qui a un parcours très, très atypique. Elle est présidente des femmes vendeuses de Dolo. Là-bas. Dolo, c'est quoi? En fait, c'est... c'est une boisson. Voilà. Et elle a déjà eu beaucoup de distinctions parce qu'elle se bat pour contre l'injustice, etc. Elle est aussi dans l'association des femmes d'affaires du Burkina, etc. Et c'est une femme pauvre qui est venue vraiment de très très de la couche la plus basse de la société. Les tam-tams vont résonner à quelle heure? À quel moment? À partir de 19h, c'est sûr que ça résonne, même peut-être avant, si ça commence à résonner, c'est clair. D'accord. Racine, en parlant de la Renaissance africaine, la femme a un rôle déterminant à jouer. Eh bien oui. Ben oui. Je crois que pour tout ce qui est naissance et renaissance, la femme est là, à la base. Je crois qu'on n'a pas assez montré la place de la femme dans l'Afrique, dans le monde de manière générale, mais en Afrique particulièrement. On a déjà beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ça, qui ont rendu compte, qui ont montré les femmes dans l'histoire. Mais si nous prenons l'histoire la plus proche, mais en tout cas surtout l'avenir, aujourd'hui, je me rends compte que on se rend compte, et je parle de ce événement qu'on a eu hier seulement au monument de la Renaissance, où on distinguait des jeunes élèves de l'école primaire.
la majorité des lauréats étaient des lauréates. Ah oui. Hein? Les lauréates. Au moins 70% étaient des filles. Mmh. On m'a expliqué que la réalité des établissements scolaires, c'est ça. Okay. Les filles sont les meilleures. On pourrait le contrôler d'ailleurs peut-être tout à l'heure au concours général. Je confirme. Mais en tout cas, elles sont les meilleures. Mais elles sont engagées dans ce qu'elles font. Et l'avenir, donc, appartient d'une certaine manière à ces jeunes filles qui vont diriger et qui vont tenir, etc. Les géantes invisibles, on a donné l'exemple de quelques femmes qui font des choses magnifiques, qui ne sont pas bien connues, mais qu'il faut révéler. Mais nous sommes convaincus au monument de la Renaissance africaine, et d'une manière générale, tout le monde est aujourd'hui convaincu que les femmes ont une place particulièrement importante pour tout ce qui est de l'avenir de l'Afrique. Quand on parle de Renaissance, il s'agit de mettre l'Afrique au niveau des autres pays, des autres continents, et même d'amener l'Afrique à faire mieux que les autres. Nous sommes dans un monde où on ne peut plus rester en arrière. Tous les pays africains, de plus en plus, font comme le Sénégal, ils ont des plans émergents. Tous, n'est-ce pas? Je crois que le Sénégal a beaucoup inspiré sur ce plan-là. Mais cette émergence-là se fera avec les femmes, c'est clair. Donc il ne faut pas se voiler la face. Donc, en tout cas, nous avons une option très claire à ce niveau-là. Nous avons reçu avant-hier un groupe de femmes américaines qui sont venues accompagnées d'un imam américain. C'est extraordinaire. C'est l'imam, il venait avec des femmes. Parce que nous voulons un peu pousser à la manière de ce qu'ils font là-bas chez eux, promouvoir aussi les femmes dans beaucoup de domaines. Quand je dis beaucoup de domaines, je pense à tous les domaines, comme la science, comme tous les domaines scientifiques, la technique, la technologie, les métiers modernes, les métiers émergents, comme il y a des corps émergents et des métiers émergents. En technologie et tout ça. Et on se rend compte que les femmes, elles y jouent un rôle majeur. Il y a quelque chose, une déclassification qui se fait au profit de la réaffirmation de la femme, en tout cas de sa présence la plus marquée dans la vie économique et sociale de ce pays. D'accord. Hulo Gaber, vous voulez ajouter quelque chose? Quand j'étais en Mauritanie en février pour un colloque qu'ils avaient fait là-bas, il y a quelqu'un qui disait exactement ce que tu viens de dire, Hassine. Et en fait, lui, il disait carrément que dans les universités africaines, et en particulier en Mauritanie, les femmes, elles étaient majoritaires dans les filières scientifiques. Que c'était les femmes qui étaient maintenant dans les filières scientifiques, mais même partout en Afrique apparemment. Donc il faudrait vraiment voir ce genre de statistiques, il faudrait les sortir plus souvent, que ça encourage un peu, parce qu'on n'est pas au courant, nous, de ce, enfin on n'observe pas cette donnée, on la publie pas vraiment beaucoup. Maintenant c'est la question au niveau du management, des managers. Je crois que les femmes ont montré des qualités qui n'étaient pas soupçonnables il y a quelques temps. Exactement. D'accord. Racine, pour le monument de la Renaissance africaine, quelqu'un qui veut organiser un événement culturel, qu'est-ce qu'il doit faire? Il vient nous voir à temps. Surtout à temps. Pour qu'on puisse le mettre dans un programme. Et puis voilà, on l'organise ensemble. Les éléments culturels sont accueillis au monument de la Renaissance. Donc il n'y a pas de souci. Allez-y, Hulo. Je confirme vraiment, ils sont une belle équipe. Très ouverte très à l'écoute et en plus au niveau des prix et tout ça, enfin c'est pas vraiment leur problème. Ils sont pas là pour faire de l'argent. Non. Ils veulent vraiment que le monument vive et qu'ils vivent avec des choses de qualité. Donc vraiment je répète, ils peuvent aller leur porter grande ouverte et ils sont vraiment à l'écoute. Avec Georges Bichichi, avec Germain, avec Madame Bay. Voilà. Racine, mon jeune frère et ami Didier Awadi qui me soutient, comme c'est pas possible, que je remercie aussi, avait organisé un concert de Stromae. Il a fallu détruire quelques objets décoratifs pour installer le
le podium ou en tout cas le matériel de Stromae. Mm-hmm. Moi, je disais que je suis contre Racing. Mm-hmm. Fallait rien toucher. Mais on n'était pas à donner son aval aussi, oui, pour que l'on détruise cette partie pour permettre à Stromae de jouer. Oui, en fait, on n'a pas détruit. Uh-huh. On a réorganisé. D'accord. Hein? Mm-hmm. Ça n'a pas été détruit. Mm-hmm. Ça a été réorganisé. Mm-hmm. Parce que effectivement, la configuration était telle, ouais, que la scène, si on installe la scène, mais une partie du public ne verrait rien. D'accord. Hein? D'accord. Donc il fallait réorganiser tout cela. Mm-hmm. Mais on ne peut pas le réorganiser. Nous, on n'est pas des architectes. On n'est, mm-hmm, pas des. Hein? D'accord. Mais ATEPA et l'entrepreneur qui a fait, ouais, le monument, ben, ils ont vu que c'était possible, okay, de réaménager. Okay. Et de réinstaller sous une autre forme, mais en gardant l'esprit. Okay. Donc on n'a pas cassé du tout. On, ah, okay, on a juste. Je croyais qu'on a démoli. Non, 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 non. Ah, là, ça va rassurer. Hein. On a reconfiguré, hein, en fonction justement des objectifs. Okay. Parce que, okay, l'espace, je pense que quand on le faisait, on n'avait pas imaginé, uh-huh, qu'on pouvait avoir un concert à la manière du concert. D'abord du PBS. Okay. Ensuite, cette rencontre que les lutteurs ont organisée là-bas, uh-huh, Balaguey et Messène. Ouais. Pour le face-à-face, mmh, qui a amené des milliers de personnes, et le concert de Stromae. Mmh. Hein, ces trois événements nous ont montré que le monument pouvait accueillir, ouais, ouais, des, ouais, types d'activités, mmh, mais qui nécessitaient une reconfiguration un peu de l'espace. Et tout le monde est d'accord, hein, que, oui, le monument, oui, peut abriter des, non, choses assez importantes. Je crois, oui, que tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, quoi. Voilà, voilà. Tout le monde, le Festival Mondial des Arts Nègres l'avait exploité déjà, aussi. Oui, avec la scène jazz, quoi, voilà, en, voilà, 2010. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et bon, on veut poursuivre des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et puis voilà. Nous accueillons beaucoup depuis quelques temps, mmh, de grands randonneurs. D'accord. Hein, des randonnées pédestres. Mmh. Les gens viennent par milliers. Ok. Hein, et je dois saluer l'association des amis du Baobab. Ok. Hein, Jean-Michel Sec, ouais, et son équipe. Hein, Jean-Michel Sec. Qui ont un concept de marche de la Renaissance, uh-huh, qui est une randonnée spéciale, très culturelle, mmh, qui permet aux partants du monument de découvrir des grands sites culturels, historiques, touristiques. D'accord. De la région de Dakar. Mmh. Et ça, c'est super, c'est fabuleux. Bien sûr. Nous avons reçu l'association, l'amicale des militaires, des médecins militaires, sortis, mmh, des écoles militaires de santé, mmh, avec près de 2000 randonneurs, ainsi que les randonneurs organisés par l'armée française, la base française ici. Et cela également nous a amené à repenser notre espace et à voir comment le rendre un peu plus intéressant pour des activités de cette nature-là. D'accord, d'accord. Ilo, donc on peut dire c'est le premier numéro avec cet événement du 1er août, samedi. Tout à fait. Comme, donc tous femme, les mois. Femme géante, ouais. Géante invisible. Invisible. Voilà. Donc, ouais, c'est le premier numéro. C'est le premier numéro. Ce sera mensuel. Tous les mois. Voilà, okay, tous les mois. Ouais. Et vraiment, je pense que on n'a pas assez de jours pour. Parce qu'il y a la liste des géantes invisibles, je crois qu'elle, ouais, est énorme. D'accord. Les trophées sont symbolisés par quoi précisément? Alors, on a fait une belle poupée. Ok. Une poupée africaine, uh-huh, habillée en wax, ouais, etc. Okay. Et donc, c'est une poupée qui est réalisée par Oumar Keïta, uh-huh, qui est un décorateur très, très inventif. Il travaille déjà avec le musée de la femme. D'accord. Et d'ailleurs, ouais, et d'ailleurs, le musée de la femme est partenaire aussi, il nous soutient. Et donc, on a fait... en fait, c'est symbolique. Uh-huh. C'est là, c'est pas une poupée chère ou quoi, uh-huh, que ce soit. Elle, uh-huh, est belle. C'est juste pour, voilà, on va marquer géante invisible dessus, on pourra, mmh, le mettre sur son salon, ouais, et dire, un voilà. Poupée pour parler d'avenir, non, mmh, pour se projeter vers l'avenir, non, ça ne symbolise, oui, pas. Oui, tout à fait, c'est, uh-huh, ça, voilà. Et puis, ça, en fait, ça encourage vraiment, uh-huh, ces femmes-là, en fait, mmh, et puis d'autres femmes, mmh, qui vont regarder ces exemples, qui vont dire, voilà, c'est un repère, c'est un exemple, on veut... Mmh. On veut aller dans ce sens et puis aussi, comme on disait tout à l'heure, vraiment, ouais, la culture, mmh, de la reconnaissance. Mmh. Dire, alors, à quelqu'un merci. Dans le programme, mmh, l'exposition de Pacello ou Facello, mmh, c'est avec des tableaux en hommage à la femme. Mmh.